Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode numéro 27. Très heureux de vous retrouver les amis puisque ça y est, je suis de retour. Même moi, en fait, je vais être très honnête avec vous, ça faisait presque un mois maintenant, ça fait 3 semaines que j'avais pris l'habitude de jouer. Tous les jours, je jouais à mon petit Zelda et j'étais content comme ça. Et ben là, ça m'a fait bizarre de plus y jouer pendant 2-3 jours. Alors merci déjà pour l'accueil de toutes les vidéos qui sont sorties pendant le week-end, pas seulement Zelda d'ailleurs, mais principalement Zelda, on va dire. Merci beaucoup, tout en tendance, tout 10 000 likes, juste merci. Le premier épisode est aux 108 000 likes, c'est complètement ouf. On se rapproche très dangereusement des 115. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu beaucoup d'astuces. J'en ai noté quelques-unes, je ne vais pas pouvoir tout redire évidemment, mais bon, je pourrais y repasser éventuellement au besoin pour récupérer tout ça. Donc, il n'y a pas de petit souci. Alors, déjà, on m'a dit un truc. Pourquoi ? Je prends la pub comme ça. On m'a dit pas mal de choses. On m'a dit, Sif, quand tu n'as plus d'endurance en grimpant, attends que ta barre remonte. C'est pas la peine d'essayer de regrimper parce que sinon je vais glisser encore plus bas. On m'a dit aussi que, effectivement, si je faisais cuire 2 ingrédients avec 2 effets différents, ça n'en prend qu'un des 2. Le coup des chiens, j'ai pas eu de bol. Vous savez, le chien là-haut là. J'ai essayé sur le marron, en fait, c'est sur les chiens bleus et blancs. Et il y en a surtout dans les relais. Donc on essaiera ça, mais la technique était la bonne. On m'a dit que j'avais oublié une quête au niveau de. Bah d'ailleurs, on va y aller. On va y aller vite fait, juste au moins voir si elle est là. De toute façon, aujourd'hui, on va bouger vers les Gorons, hein, je vous le dis. Direct. Mais je veux juste. Donc, apparemment, j'ai oublié de prendre une quête. On va pas la faire aujourd'hui, mais on va la prendre à côté de l'auberge Zora. Apparemment. Voilà. Donc, je sais pas, ça ne me dit rien, mais bon, pourquoi pas. En parlant de Zora, on m'a dit que l'écaille la lance d'écaille radieuse, j'allais pouvoir la réparer. Voilà, c'est partie des armes de prodige, donc je pourrais la réparer, donc je peux m'en servir au besoin. Pour le moment, on va la laisser où elle est, je trouve qu'elle est pas mal. On m'a dit également de garder précieusement mon trident des glaces. Alors mon trident des glaces, je dois l'avoir sur moi d'ailleurs, je pense, parce que d'ailleurs c'est pas ce que j'ai sur moi là. Lance d'écaille, trident des glaces. Ça, on m'a dit de le garder précieusement parce que ça allait m'être utile, vous savez, dans la quête des armes du petit gamin. Voilà, donc vraiment, je vais prendre ça, écoutez, voilà. Donc voilà, et dernière chose, on m'a dit au niveau du cinétisme, donc le cinétisme qui est celui-ci, apparemment quand je fige un truc, attendez que j'essaie, qu'est-ce que je pourrais figer ici? Je vais rien pouvoir figer ici malheureusement, si ça. On m'a dit, tu vois, tu dois attendre que ça se recharge, sauf si, voilà, j'ai pas besoin d'attendre que ça se recharge pour décharger, vous savez, quand des fois je me trompe ou quoi, pour enlever le cinétisme du même truc, j'ai pas besoin d'attendre que ça se recharge, donc, écoutez, c'est parfait. Donc, où est-ce que j'aurais... oublier une quête à côté de l'auberge, on m'a dit. Alors à côté de l'auberge, donc l'auberge est ici. Alors il y a des gamins, Mais t'es qui toi? Ah, c'est peut-être elle, non? Ouais, bah écoute, on va lui parler. Bonjour. Bonjour. Un Nilien, c'est pas commun. Et ouais, et toi alors? Moi, je suis une marchande ambulante. Alors je vais au bon, me semble. Je me présente. Je m'appelle Florette. Enchantée. Jusqu'il y a peu, il pleuvait sans s'arrêter dans le coin. La pluie s'est enfin arrêtée, alors j'ai pu arriver au domaine Zora. Maintenant, je vais aller voir au bazar pour me fournir en produits rares. Alors, me gêne pas dans mon travail, tu veux? Oh. J'y ai cru, mais... on dirait que non. Là, je regarde s'il y a des quêtes ici. Ici, il n'y a pas de quête. Non, lui, il a pas de quête. Ça doit dépendre, c'est peut-être pas tout de suite, je sais pas. Alors, lui, on voit par contre que... il a des... ah bah non, là, il a plus. J'allais dire des petits points. Ouais, donc... bah... La personne qui avait mis ce commentaire, d'autres lui avaient dit non, moi je l'ai pas, si moi je l'ai, machin. Alors c'était peut-être elle, ce que vous entendiez parler comme quête, mais pour l'instant ça ne me donne pas de quête, donc écoutez, c'est pas grave. Ce que l'on va faire du coup aujourd'hui, les amis, j'avais dit une connerie d'ailleurs, je pouvais reprendre en photo le boss, non, étant donné que Varuta il est plus là. Ah mais ceci, je peux quand même me téléporter à Varuta. Bref, peu importe. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le relais des Géminés pour récupérer Epona et ensuite on bouge chez les Gorons. Alors. On m'a dit qu'il me fallait beaucoup d'argent chez les Gorons, de garder plein de trucs, machin, bon. Je vais prendre le temps, évidemment, mais déjà, peut-être, ce que je vous en parle depuis longtemps, pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis et que je veux aller chez les Gorons? Parce que, ça me semble évident que c'est chez les Gorons, il y a un volcan, hein, donc, a priori, voilà. Moi, de ce qu'on m'en a dit dans les commentaires, c'était peut-être plus intéressant d'aller chez les Piafs d'abord. Parce que apparemment le pouvoir que me donnent les piafs, donc maintenant je suis, voilà, c'est pas du spoil puisque j'ai bien compris que j'allais avoir un pouvoir par personne, hein, comme là j'ai le pouvoir de Mipha. Le pouvoir des piafs était très intéressant apparemment, puisqu'il permettait, d'ailleurs on va faire nos amiibo, enfin il permettait, je sais pas, mais voilà, le pouvoir était apparemment très intéressant.
Donc ça c'est la première des choses. Mais j'ai quand même choisi d'aller chez les Gorons. Ne peut plus être utilisé aujourd'hui. Mais je m'en suis pas servi pourtant. C'est trop bizarre. Bon, on va mettre l'autre. J'ai quand même choisi d'aller chez les Gorons pour une raison très simple. Attendez, je vais faire spawn Linklou. Yes, c'est bon. Pour une raison qui est très simple. C'est que les amis, si vous regardez, le village d'Akala, il est par là-bas. Voilà. Et j'ai souvenir, quand on était allé dans la plaine, on pourra revoir, mais que par là-bas, j'avais vu un grand arbre, une forêt. Donc, et je sais que le Korogu, il nous avait dit qu'il nous attendrait dans la forêt. Donc en fait, c'est, je pense plus, d'ailleurs, on va l'activer. Je pense que c'est plus logique, disons, d'aller d'abord ici. Parce que, alors on va mettre du temps à aller là, mais parce que Akala est par ici. La forêt serait par là. Donc dans une certaine logique, vous voyez, comme ça je fais un tir groupé quoi. Je prends tout ça et ensuite seulement j'irai soit là, soit en bas. Mais vous voyez, parce que je me serais mal vu aller là, puis dire alors attendez, je repars dans l'autre sens pour Akala machin. Et vu qu'il y a plein de trucs à faire, autant faire ça quoi, je pense. Voilà. Donc voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle je veux faire ça. Je vais emmener un cheval. Très bien, quel cheval veux-tu emmener? Je vais emmener Epona. Tu veux Epona? Oui, elle est déjà sortie. Ah, c'est bon. Parfait. Donc voilà, 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 voilà. Donc on va pas aller chez les Gorons tout de suite. On va aller en direction, mais on va, je pense, d'abord faire un détour par Akala. Je pense. Hein. Très bien. Alors il y a juste un truc que je voulais voir avant. C'était est-ce que, parce qu'apparemment il est souvent dans les relais, est-ce qu'il y a le peintre? Parce que le peintre, vous savez, il m'indique l'emplacement de souvenirs. Donc ça pourrait être intéressant. Pour le moment, je ne le vois pas en tout cas. Je ne vois pas le peintre. Est-ce qu'il est là? Non. Oh, bonjour, une très bien. Oh, des pommes. Oh, attendez. Le monsieur du relais dit qu'on peut prendre toutes les pommes qu'on veut. Mais c'est parfait, ça. Il y a des pommes. J'ai eu 3 pommes et il y a un chien. C'est parfait. Regardez. Parce que, apparemment, donc on va peut-être faire le truc du chien tout de suite. Vas-y. Donc ce serait cela. Et en fait, apparemment, quand c'est bon, c'est pas qu'on peut l'adopter, c'est qu'il va nous aider, on peut le suivre en fait. Donc on va voir. Regardez, on le laisse manger. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Et apparemment, il y en a plusieurs dans le monde comme ça, et chacun a une utilité, donc celui des limites aussi. Attention, est-ce qu'on va être bon ou pas? Suspense. 3 fruits, je t'ai donné 3 fruits. C'était des fruits, cher ami. Pourquoi tu ne veux pas? Oula, il est un peu bizarre. Oui, bonjour. Non. Tu veux autre chose? Est-ce qu'il me reste... Bah, c'était de la viande cuite qu'il me fallait. Alors d'ailleurs, ça on m'a dit. En fait, je peux classer... Oui, en fait, je vous ai dit une connerie. Regardez, là ça classe. Je peux classer soit par d'abord les têtes, ensuite les torses, machin. Soit je peux classer par... Vous voyez, là, c'est toutes les tenues de nage. Là, toutes les tenues d'escalade, etc. Donc en fait, je peux bien les bien classer. Écoutez, il a l'air de s'en battre royalement les couilles. Ah. Ah, attendez, je vais essayer de lui donner encore un... Est-ce que j'ai de la viande cuite? Viande grillée. Je suis obligé de la manger. Je vais lui en donner un dernier. Putain, c'est Linklou qui va la prendre. Vas-y, viens, tiens, prends. Peut-être qu'il faut lui donner un peu plus. Oh, il a l'air content là. Vas-y. Et si ça ne marche pas, on se casse. Ah. Donc il en fallait peut-être 4. Ok, je le suis. Enfin, par contre, j'espère qu'il va pas ultra loin. Dis-moi, toutou. Tu vas loin ou ça se passe comment? Et apparemment, ils vont pouvoir m'aider. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il y a un truc ici. Mais ensuite, comment je fais? En fait, je vous explique. Ils sont censés m'emmener à des trésors enfouis. C'est ce qu'on m'avait dit. C'est ce que j'ai compris. Enfin, je l'ai compris comme ça. Mais il a l'air de ça. Alors, peut-être que si je fous une bombe, j'en sais rien. Je sais pas comment ça fonctionne. Vas-y, viens, regarde-toi. Ah. Ah, mais non, mais c'est un coffre! Putain, mais je suis bigleux. Enfin, je voyais que c'était un truc, mais je pensais que c'était une branche d'herbe en fait. Une racine. Ok, bon bah c'est bon, donc il m'a amené au coffre, nickel. Et c'est quoi? Et c'est. Oh, 100 rubis quand même. Donc voilà, donc c'est très utile. Et donc en fait, ils nous permettent de trouver des coffres cachés comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, écoutez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur Epona. Maintenant, tranquillou, on va accélérer. Terry, il est bien gentil, mais on en a juste pas besoin. Et donc là, l'objectif, très clairement, voilà, je vous le dis. L'objectif, il est, dans un premier temps, d'ailleurs, regardez, on va juste zioter. Nous, les Gorons sont ici. Mais.
Akala est ici. Ah oui, c'est... Ah oui. Ah oui, c'est... C'est beaucoup plus... C'est pas... Je pense, honnêtement, parce que, en fait, si on va là... Après, j'aurais plus tendance à partir comme ça. Alors que là, au moins, autant faire tout à droite, toute la partie comme ça, on remonte et ensuite on repartira sur les gourds. Donc, on va aller à Akala. Est-ce qu'on y arrivera aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne pense pas, très honnêtement. Mais on va se fixer comme objectif d'aller en direction d'Akala d'abord avant d'aller chez les gourons. Parce qu'apparemment, il y a plein de choses à faire à Akala et c'est ça qui est génial quoi. Alors, pourquoi est-ce que je repars d'ici, les amis? D'ailleurs, je crois que je vais perdre Linklou. Hein, je l'aurai invoqué au pire. C'est tout simplement parce que j'ai pas d'autres relais et du coup, j'avais pas moyen d'appeler Epona de plus près. Donc autant, autant faire ça. Mais bon, du coup ce que je vais faire c'est que je vais me rendre directement à la zone dans laquelle on était, c'est-à-dire ici à peu près. Et ensuite de là je prendrai cette route là directement. C'est au niveau de la bifurcation, le sanctuaire de Sakoi. Ouais c'est ça, bah parfait. À ce moment là je vous retrouve et on part dans la bonne direction qui nous intéresse. Ouais, regardez. On voit bien là que Linklou ne peut pas me suivre. Dès que je rentre dans le village, il ne peut pas me suivre. Donc ça confirmerait qu'ils ont fait un petit clin d'œil et que je ne peux pas prendre Linklou avec moi quand je suis dans un village. Ça c'est plutôt... Ah ben voilà, vous voyez. C'est plutôt sympa. Franchement, c'est plutôt sympa. Du coup, je traverse et puis je vous retrouve là où je vous ai dit. Hop, hop, hop. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça la première fois. Comment j'ai pu oublier ça? Je sais pas. J'étais passé, je l'avais pas vu. Hop, alors désolé à ceux qui peut-être me l'avaient dit. Mais c'est vrai que j'étais complètement passé à côté. Écoutez, on le prend, hein, c'est sur notre route, très clairement. Toi, passe brut. Bah écoutez, voilà, magnifique. On a peut-être... combien ça se vend, ça? J'ai plus de 200, 260, je crois. C'est parfait. Que dit ce petit panneau? Alors, montagne de la mort. Akala, nickel. Bon, bah voilà. On est parfait. Donc écoutez, à partir de maintenant, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Direction Akala. Je ne pense pas qu'on y arrivera aujourd'hui, hein, soyons honnêtes. Mais c'est pas grave parce que là, l'idée c'est clairement d'explorer un petit peu, de trouver la grande tour aussi. Parce que la grande tour, ça pourrait être intéressant de la trouver, hein, mine de rien, je pense. Alors, je vois des sanctuaires. Il y a plein de trucs qu'on va essayer de faire. Hein, donc, ça c'est clair. Bonjour. La pluie c'est triste, bonjour. Mais t'es une Gerudo? Saota. Je me présente, mon nom c'est Zebia, du peuple Gerudo. Grave-le-toi dans le crâne. Tu sais, je suis une excellente archère. Et la cité Gerudo, j'occupais la fonction de garde. J'en ai sauvé des vies dans ma cité. Faut dire que les monstres n'ont aucune chance avec moi. Je vise la tête. Ok, et maintenant que t'es là, tu me redis la même chose? Je déteste les averses, mais c'est l'occasion de rencontrer des gens. T'as pas une petite quête pour moi? Non, elle a pas l'air d'avoir une petite quête pour moi, la madame. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, écoutez, on est parti. C'est vraiment... Ouais, c'est par là, d'accord. On passe par la montagne. De toute façon, à un moment, ça va bifurquer, je pense, entre Montagne de la Mort ou Akala. Et à ce moment-là, on ira à Akala. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un... C'est une baguette des glaces, mais du coup... Tiens, d'ailleurs, c'est pas ça vraiment que je voulais faire. Ah, mais j'ai plus beaucoup de flèches, en vrai. Ah, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de flèches. Bon, écoutez, on va la faire comme ça au pire. On va la faire comme ça. Parce que je pense qu'elle cache un coffre. Probablement. Ah, je suis là. Oh, raté. Oh non, comment j'ai pu... Attendez. Voilà, on va prendre la gelée chuchu. Mais c'est vrai que je n'ai quasiment plus de flèches. D'ailleurs, merde. D'ailleurs, je sais qu'ici c'était... Je sais qu'ici c'était intéressant dans cette zone. On va peut-être se soigner aussi. Dans cette zone c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre bah peut-être ça, tiens, en même temps. Parce que vu qu'il... Ah bah non, mais il pleut plus. Super, bien joué. C'est pour résister à l'électricité que je voulais faire ça. Mais... Oh, please. C'est bon, je l'ai eu. Ah oui, c'est aussi violent que ça en fait. C'est aussi violent que ça, la flèche de feu la détruit direct quoi. Bon, ne me dites pas qu'il n'y a pas un coffre ici, j'y crois pas. S'il n'y a pas un coffre ici, je deviens fou. C'est une blague. T'es en train de me dire qu'il n'y a pas de flèche ici? Il n'y a pas de coffre? Quel était l'intérêt de s'arrêter là? Je vous le demande. Il n'y en avait pas, visiblement il n'y en avait pas. C'est pas grave. Et du coup la Gerudo elle est repartie. Ah, on voit la tour. Alors le truc c'est que nous là on va bifurquer, c'est à dire que la montagne est ici alors qu'Akala est vraiment de ce côté. Donc je pense qu'il va venir le moment où on va se séparer dans pas longtemps. Oups, désolé, ce n'était pas le but. Mais je pense que ouais, va venir le moment où on va se séparer dans pas très longtemps. C'est beau hein, là c'est très montagneux et tout. Ouais, regardez, là il y a la tour, ça c'est la tour des Gourons on va dire. Et l'autre tour qu'on a vue, c'était celle d'Akala. Ah ça y est, on sort là. Alors par contre, moi je vais bifurquer là, il y avait un changement de route, je sais pas si vous l'avez vu.
Et quelque chose me dit que moi c'était ici. Il fallait bifurquer ici, je pense. Putain, il repleut quoi. Oh, cancer. Écoutez, on va faire ça. Alors je vois des sanctuaires, tout ça évidemment que l'on fera, hein, bien évidemment. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. Et là il pleut plus. Enfin, comprendre. Il y a des chemins dans tous les sens. Ah, la tour. Déjà, si on pouvait arriver à la tour, ce serait pas mal. Hein. En vrai de vrai. Si on arrivait à la tour, ce serait pas mal. Après, de toute façon, il faudrait revenir en arrière pour faire plein de trucs et tout. Mais j'aimerais bien trouver. Et j'aimerais bien trouver un nouveau relais aussi. Ça pourrait être bien, je pense, d'avoir un nouveau relais. Parce que pour le moment, j'en ai qu'un, celui des Géminés. J'imagine qu'il y a un relais vers Akala. Ah, panneau. OB. Non, pardon. Je vois un sanctuaire. Je vois un sanctuaire tout là-haut. Pas du tout. Donc, tu vas me dire Akala à droite, j'imagine. Lac Akala, relais du sud d'Akala. Ah! Et au milieu c'est quoi? Et au milieu c'est coffre. Intéressant, très très intéressant là pour le coup. Lac d'Akala ou relais du sud d'Akala? Je sais pas moi parce que Akala ça semble être plus par là-bas, hein, vers la droite. C'est très intéressant là, ce qui vient de se passer. On va aller au relais, hein, dans tous les cas on va aller au relais. Ça nous fera un TP, donc voilà, c'est clairement obligatoire. Bien joué. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas voulu? Je ne sais pas. Attendez, attendez. Bien sûr. Alors, bien sûr, bien sûr. On va s'équiper, hein. Le problème que j'ai avec ça, c'est que je risque de me prendre la foudre. Et alors, en truc, je vais prendre ça. Putain, ils font mal. Ils font mal, ils font mal. Et je n'ai plus beaucoup de... C'est ça qui est dommage. C'est que je n'ai plus beaucoup... J'ai pas de truc qui me donne des cœurs en plus. Oh là 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 là. Non mais please. À un moment. Ouais bah du coup... Allez hop là. Ça m'a gâché mes deux fées les trucs là. C'est une vanne. Voilà. Toi t'es mort. Non t'es pas mort du tout. Ok. J'ai d'autres flèches. Explosive, l'archéonique je l'utiliserai pas, on m'a dit que c'était très important. Il fallait surtout pas que je l'utilise. Mais là par contre ils piquent hein les messieurs. Oh. Non mais les mecs. Genre à un moment. Vas-y go 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 go. Fais lui des dégâts, fais lui des dégâts. Les amis c'est... Ça m'augmente ma protection, vas-y on va prendre ça. Ils sont chauds. Ouais, mais non. Il faut surtout pas que je fasse ce genre d'attaque. Il faut vraiment que j'y aille en mode. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En fait j'ai plus de flèches, c'est ça qui est chaud. Ok j'en ai eu un. Ah. Ah, oula. What the fuck, on s'est tapé un lag. C'était ultra chaud, non je dégage. C'est bon. Ah purée. C'était la galère hein. On va prendre ça en photo. C'était la récompense à l'intérieur est jolie. Mais après on arrive dans une nouvelle zone. Alors peut-être aussi que tout simplement espadon de chevalier. Non c'est espadon ouais, je m'en fous. Moi c'est épée de chevalier que je veux. Alors vas-y tire moi dessus. On va prendre. Voilà. Ok. Je vais pouvoir prendre les flèches. Regardez ça c'est génial. Ça c'est juste génial. On va pouvoir prendre tout ce qu'il y a là et tout. Epona vas-y tu peux venir. Alors il y a un sanctuaire par là. Il y a beaucoup de choses hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Où est la flèche? What the fuck. Flèche en bois, vas-y. Et genre les flèches en bois elles sont pas où elles devraient être. On dirait. C'est trop, regardez. Elle se met là. Elle ricoche, non mais c'est super bizarre. Ouais parce qu'elle ricoche c'est ça. Bon on va aller le défoncer hein. Merci. Voilà. Bon du coup on va aller prendre cette récompense. Et surtout on va aller au... Je pense dans tous les cas on va au relais en priorité. Parce que là vous avez vu j'ai pris cher et tout. Donc je vais aller au relais me poser. Il y a un coffre derrière là non, non. Pour au moins pouvoir me retaper là. Si machin problème et tout. Et ensuite au pire on ira faire ce petit sanctuaire qui est pas très loin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dis-moi un beau truc. Il y a des sanctuaires partout. Putain je vais tous les faire. Je vous le dis je vais tous les faire. Ah on n'est pas arrivé tout de suite au deuxième donjon hein. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des centaines de beaux trucs. Donc c'est génial, tu peux grimper ça? Tu peux pas grimper ça. Ah. Vas-y fais le grand tour, c'est pas grave.
fais le grand... Epona, what the fuck? Qu'est-ce que tu m'as fait, Epona? Vas-y, avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller, nous, au relais. Je pense qu'il est pas loin. J'aimerais bien passer la nuit, machin, parce que là, j'en ai marre, il fait que pleuvoir. Il y a un truc là. Ah non, mais putain, c'est déjà deux fois. C'est déjà deux fois que je me dis, oh, regardez, il y a un truc là-haut. Grand pont. Non, mais il y a des... Oh, il y en a partout, il y en a un, deux, trois, déjà. Donc déjà, là, j'ai un cœur en plus, si besoin. Oh, un gardien. Alors, le relais, il est où, là? Déjà, la tour. Ah ouais, la tour... Alors, la faire, la tour. What the fuck, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, non. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous avez vu? Il est où, le relais? Moi, j'étais juste venu pour le relais, de base. Pas pour des monstres ultra-méga cheatés. Je sais même pas si c'est là ou quoi. J'en sais fiche, je crois rien. Non, mais c'est quoi? Regardez ce qu'il garde. C'est quoi ces trucs qui gardent la tour, là? C'est ultra chaud. Bonjour, le chien. Ça m'a l'air ultra chaud, ces trucs. Ici, il y a quoi? Oh, Korogu. Comment je fais? Bombe, peut-être. Ici, c'est Korogu, c'est obligé. Non. Non. C'est forcément Korogu, ici. Ouais, enfin, je pense, en tout cas. Je sais pas. Comment? Alors, peut-être que c'est une autre astuce pour le... Et après, ça, évidemment que non, donc... Ah, je vous avoue, je sais pas. Par contre, on en parle là de Terminator, là, c'est quoi ça? C'est quoi ces gros radars? Putain, chaud. Là, il y a un temple aussi, on dirait. Il y a tellement de choses. Ouais, non, mais attends, moi je veux aller à mon relais d'abord. J'ai rien à faire, je vais au relais d'abord, les amis. Je vais d'abord au relais, on verra après. Elle est où, elle est là-bas? On verra après ça. On aura largement le temps. Là, on arrive dans une toute nouvelle zone, donc c'est comme au début quand on a appris tous les nouveaux trucs et tout, donc on aura largement le temps de voir tout ça. Mais d'abord, j'aimerais bien arriver au relais, qui du coup doit être par là, hein, je pense. Là, je suis un petit peu avancé en vrai. Déjà, c'est vrai qu'avec Epona, ça va un peu plus vite. Ah, là, il y a des choses par là et tout aussi, mais le relais, il est où? Ah, je le vois. Nickel. On va pouvoir ensuite aller faire tout ça, mais. Mais ouais, on va d'abord aller au relais, se poser. Non, non, mais non, mais non. Mais les gars, il y a encore un sanctuaire. C'est une blague. C'est bon, j'ai mes 4 cœurs. Enfin, j'ai mes 4 emblèmes. Alors. Ok. Bonjour. Ok, je prends. Déjà, ça voudrait dire. Tiens, c'est intéressant ce qu'il y a là. Source de la force. Okay. Source, genre une grande fée. Trop de choses, trop de choses. Il y a trop de choses, les amis. Il y a juste littéralement trop de choses là qui s'offrent à moi d'un coup. Toute une nouvelle zone. C'est génial. Bon, on va aller au relais. C'est la première fois qu'on tombe sur un autre relais. Donc, ça, c'est bien. Je vais pouvoir. Pas m'y téléporter, c'est bizarre. On va parler à tout le monde. Bonjour. T'as l'air louche. Tu veux quoi? Je suis pas louche. On verra. Je suis en train de réfléchir. Tu veux bien me laisser tranquille? D'accord. Je te laisse tranquille. Je veux checker aussi s'il n'y a pas le. Bonjour. La 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 la. Eh oh monsieur, quoi de neuf? Tu sais quoi? J'ai un secret, tu veux savoir ce que c'est? Dis-moi. Hihi, alors je vais te le dire. Ma grande sœur Jujune, elle adore les fleurs Armo. Oh, c'était ça mon secret. Jujune va de nouveau m'en vouloir. Ok, donc ça veut dire que. Fagot de bon, on prend. Ça veut dire qu'on va rencontrer quelqu'un qui va. Qu'il faudra amener. Donc, alors Terry, est-ce que tu vends d'autres choses ici? Je veux acheter. Qu'est-ce que tu achètes? Enfin, qu'est-ce que tu proposes? Ah, je vous avoue que c'est très tentant de lui acheter des flèches en bois là. Parce que je manque cruellement de flèches. Hop, dispo 20. Et là, du coup, je vais t'en prendre. J'achète tout. Ça va me coûter cher. 120 rubis, oui. Mais je vais lui vendre des choses aussi. Merci. Qu'est-ce que je peux faire autre chose? Je veux vendre. Déjà, j'ai au moins mon topaz là que j'avais trouvé. Voilà, donc j'ai ça. Ambre brute, 30. Nickel. Oui, je veux te vendre. L'opale brute. Ça serait bien qu'on puisse faire comme dans Animal Crossing. Genre, tu sélectionnes tout ce que tu veux et tu vends tout d'un coup. Ce serait pas mal. Et à 180 le topaz. C'est bien. Voilà. Nickel. Merci, mon cher ami. Non, pour le moment, ça ira très bien. Pour le moment, ça ira bien. On va prendre une torche. Ouais, mais ça, c'est cassé, ça. Ça, c'est cassé, de toute façon. Donc, autant s'en débarrasser et prendre une torche. Bonjour, monsieur.
Hey, t'es pas du coin, si? Je suis un voyageur. Je vois. Mais t'es arrivé tout seul jusque dans ce trou paumé? Toi, mon gars, t'es balèze, non? Ouais, je suis balèze. Par contre, la modestie, c'est pas ce qui t'étouffe. Enfin, passons. Moi aussi, j'aime manier l'épée, mais là, je suis un peu dans une impasse. Enfin, c'est juste que l'épée que j'utilise en ce moment était moussée. Alors, je me suis dit que si je pouvais mettre la main sur l'épée légendaire, je pourrais faire des progrès, tu vois. L'épée légendaire? Ouais. Elle se trouve quelque part aux alentours de la montagne de la mort. C'est ce que j'ai pu apprendre. Mais on dirait qu'elle n'est pas de ce côté. Peut-être que je devrais aller voir du côté du relais de la forêt, sur l'autre versant. Pfiou! J'aurais peut-être aller vers le relais de la forêt, moi. Alors, je dirais rien. Mais il se peut que sans vous la citer, ça fait depuis un bon moment. Là, je parle à ceux qui connaissent pas. Ça fait depuis un bon moment que je vous en parle. Voilà. Mais de toute façon. C'est pas du spoil, mais je vais pas le dire au cas où certains ne les aient pas vus. Mais l'épée légendaire, on sait où elle est parce qu'on le voit dans le trailer du jeu. Dans le dernier trailer, ce qu'il y a eu, si jamais vous voulez aller voir, on la voit. Donc c'est pour ça que je sais qu'elle est là-bas. Et c'est aussi pour ça que je voulais aller chez les Gorons parce que je sais que pas loin elle sera là. Voilà, bref, voilà. Donc voilà. Au moins, au moins, on est good. C'est toujours la même là, celle qui cueille tout. Ah, c'est toi, oui, je suis en train de réfléchir. Oui, je te laisse. Mais de toute façon, toi t'as pas l'air très loquace hein, comme madame. Mais du coup, bon. Au moins, nous sommes au courant. N'est-ce pas? Par contre, elles se rechargent tellement plus vite les bombes, c'est tellement bien. C'est tellement la vie, je dois vous avouer. Hop, flèche en bois. Pom pom pom, glan glan glan. Oh, un chien! Qui dit chien dit peut-être trésor. Mais en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin du chien pour chercher le trésor si besoin est, tu vois? Genre, au pire, je fais ça. Comme ça, mais bon, là je trouve pas bon, on verra après. Alors, bonjour monsieur, on va parler à tout le monde. Hein. Madame, peut-être, bonjour. Ah, vous êtes un client, oui. Ah, très bien. J'ai entendu une rumeur à propos d'un type louche appelé Kilton qui rôderait près de l'étang du crâne, au nord d'ici. Si ce que j'ai entendu est vrai, il possède un magasin appelé l'Antre des Monstres et il ne se montrerait que la nuit. Il paraît qu'au relais de l'Est d'Akala, au nord, il recrute des soldats pour se protéger. Putain, mais il y a plein de relais jusqu'à maintenant, j'en ai eu qu'un, mais en fait, il y en a plein là qui se dégagent. Faites attention à vous, il y a le relais de l'Est d'Akala, il y a. Bah, il y a l'air d'avoir celui de la forêt aussi, donc c'est trop bien. Toi, bonjour. Sois le bienvenu dans notre relais, voyageur. Tu es ici chez toi. Si tu m'emmènes un cheval, je peux changer son son harnachement ou bien m'occuper de sa crinière. Nous ferions tout pour que ta monture et toi passiez un bon séjour parmi nous. C'est vrai, tu peux, genre, améliorer Epona. Popo, viens ici. Ouais, je vais l'appeler Popo maintenant. Et hop, hop là. Bonjour. Non, on n'est pas peur, Terry. Don't be afraid. Non, mais alors par contre. Tu fais quoi là? Qu'est-ce qui te prend? Tu m'as jamais sauté une barrière et là. Epona, tu te fous moi. Epona, tu. Non, alors Epona, là c'est une blague. Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui, mais c'est pas grave. Je veux juste que t'ailles voir la madame. Remonte! Je veux que t'ailles voir la madame pour te faire une jolie crinière bleue, rose. Non, je sais pas. T'imagines? Ce serait tellement rigolo. Alors. Elle vaut pas, là-bas elle vaut pas, elle dévie toute seule de la trajectoire à chaque fois. Epona, vas-y lentement. Voilà. Elle est capricieuse la madame, elle est capricieuse, elle aime bien avoir son petit. Je sais. Alors bonjour. Bien le bonjour, quel bel animal tu as là. Si tu veux, je peux changer son arna. Eh mais. C'est une jument tout à fait exceptionnelle. Quelle grâce naturelle, une vraie beauté. Je ne pense pas pouvoir. Ah. Ah mais oui, ça aurait pu marcher avec mon autre en fait. Oh, d'accord, bonjour. Il y a des choses ici. Et là, tu sais, t'as un Korogu tout en haut. Ce qui serait en plus même pas chelou. Eh, mais en vrai, il y a sûrement un truc là-haut. Attends. Non, tu déconnes. Si le jeu m'a foutu là, tu sais, sans le vouloir et tout, et qu'en fait, il y a un truc, je rigole. Mais j'ai pas l'impression. Bon, on va peut-être aller à l'intérieur de ce foutu relais. Hein. Moi, c'est ça que je voulais faire. Bonjour déjà. Bienvenue au relais, l'endroit idéal pour s'occuper de ces monstres ou piquer un roupillon. Que puis-je faire pour toi? Je veux te laisser mon cheval. Tu veux nous laisser Epona, ta monture actuelle? Oui. En fait, si je fais ça, c'est parce que je me dis que peut-être je vais pouvoir m'y. Ah mais non, mais je suis bête. En fait, le TP. Mais oui, j'allais dire comment pour pouvoir ensuite avoir un TP. Mais en fait, le TP que j'ai ici, c'est le TP du sanctuaire, c'est pas le TP ça. Donc en fait, il faudrait que je fasse le sanctuaire qui est juste à côté. Donc on fera ça. Un balai brosse. Bonjour, on va peut-être prendre ça. En photo, hein, parce que c'est intéressant, n'est-ce pas? Un palais brosse, magnifique. Magnifique, on le prend dans l'encyclopédie, nickel. Alors, est-ce qu'il y a des gens intéressants? Il y a toujours pas le... celui que je cherche, là, le peintre. Bon, toujours est-il qu'il y a un Goron qui est, ma foi,
Je sais pas ce que vous pensez du style des Gorons. Ils ont... Ah, faut aimer. C'est un style. Il faut aimer. C'est un peu l'idée. Bref, bonjour. T'as du minerai? Parce que si t'en as, vends-le dans une boutique. Certains valent une fortune. Godon, il s'appelle Godon. Il s'appelle Godon. Très bien. Bah écoute, Godon, enchanté. Ok, 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 très bien. Bon, du coup, c'est trop cool. Alors, moi, ce qui m'intéresserait... Il y a le lac là, machin et tout, je sais, mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la limite le... sanctuaire qu'on a vu juste là-haut. Je vais rappeler Epona, du coup. Pour au moins se valider le téléport ici, en fait. Donc, on va reprendre Epona. Bienvenue. Okay, je vais emmener un cheval. Ceci dit, je vais emmener... Merde, je voulais pas faire ça. Non. Non, 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 non. Je veux Zelfriano. Quoi? Il prend Zelfriano? Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique pourquoi. Parce que l'autre, elle peut me l'améliorer. Et je veux voir au moins ce que ça fait de l'améliorer. Donc on va prendre Zelfriano. Désolé de t'avoir fait attendre. C'est pas grave. Hop. Alors, j'ai mal écouté. Je pensais qu'il me disait un blabla. Bon, c'est pas grave. Il parlait d'un précipice, tout ça. Alors, juste, on va aller voir elle. Bonjour. Sois le bienvenu. Oh. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Ça alors, quel superbe animal. Veux-tu changer le harnassement, le harnachement, pardon, de ton cheval, ou bien lui coiffer la crinière? Je veux bien. Je m'occupe que des chevaux qui ont été apprivoisés avec amour. Ils font les meilleurs compagnons. C'est le cas du tien? Évidemment. Oh mon, direct, ton cheval est à peine apprivoisé. Tu viens juste de l'attraper, c'est ça? Il va falloir lui montrer beaucoup d'amour si tu veux en faire une bonne monture. Donc pour ça, il va falloir le calmer. Non, je ne sais pas. Bon, vous savez quoi? Du coup, on va jouer un peu avec lui. Comme ça, au moins... comme ça, au moins, eh bien... peut-être qu'il m'aimera plus. Parce que je pense qu'en fait... vous voyez, regardez, il est pas trop fan de moi pour le moment. Hein. Ah, et vous voyez, son affection a augmenté. Parce que je l'ai calmé. D'ailleurs, il a pas beaucoup de sprint. Hein. On peut le voir, là, donc... Donc, ouais, 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 parfait. On va jouer un petit peu avec lui. Du coup, moi, je cherche le sanctuaire que j'avais vu. Il était par là. Ouais, il était... Donc, c'est... En fait, à côté de chaque relais, t'as un sanctuaire, quoi. C'est clairement ça, l'histoire. À côté de chaque relais, t'as un sanctuaire. Voilà, hop, là, son affection a augmenté. On va continuer de faire ça. Et du coup, on arrive au sanctuaire de Jizukafi. Café, s'il vous plaît. Non. Bref, du coup, on y go. C'est parti. Et on sera déjà... on va voir le temps qu'il nous faut, mais... en vrai, il y a des sanctuaires partout, là. Donc j'ai envie de tout explorer. Mais en même temps, j'ai envie d'arriver à Akala. Mais il y a des trucs tout autour de nous. Donc, et puis surtout, faut qu'on aille faire cette tour du démon, là. Comment je fais cette tour? Comment je fais cette tour du démon avec tous les trucs? Bon, déjà, au moins, on arrive au relais. Ce qui est déjà un très très bon point. Parce qu'on aurait tout à fait pu ne pas être au relais. On a un petit épée, quoi. On a un truc. Donc, est-ce que c'est un fight? C'est quoi? Non, ça va. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une énigme. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Jizukafi te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Bien. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mécanisme de Jizukafi. Ça m'explique pas. Donc... Ah, mais attendez. Oh. Je croyais que j'avais désactivé la fonction gyroscopique. Pourquoi est-ce que je l'ai encore? Paramètres. Bah... D'accord, bon bah écoutez. Du coup je suis obligé. En fait il faut que je fasse en sorte. Je peux retourner complet si je veux. Non d'accord, c'est pour passer en fait. Bah tiens regarde. Voilà. Pour passer on passe. En fait c'est ça, d'accord, ok. Je vois le délire. Hop, on va passer là, tranquillou. Est-ce qu'il y a un petit chest? Un petit... Ah, je le vois. Oula. J'aime. J'aime ces énigmes, franchement. Ah, passe vite. Ok. On est bon. Toi, est-ce que je peux t'attraper? Ah non. Ah, et bien du coup, il n'y a pas 36 solutions. En fait... Ouais, c'est ça. Vous êtes prêts? Ah, j'ai pas fini. Encore. Une dernière. Alors, c'est un peu gâché des flèches, mais bon, pas le choix.
Ouf. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et du coup, je récupère le chest. Il y a quoi? Lance d'écaille. Vous n'avez pas assez de place. Non, mais si, si. Ça va, je prends. Je prends, je prends. On va jeter. On va jeter, on va jeter. Bah, ça, écoute. Faut que je fasse gaffe à pas jeter mon truc ultra important là. Tu récupères la lance d'écaille. Voilà. Ok. On peut avancer. On va vérifier un truc. C'est bon, j'ai le coffre. Du coup, là, on doit a priori arriver vers la fin, je pense. Il va y avoir peut-être une dernière énigme. Je suppose. Oula. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah. Ah oui, d'accord. Alors ça, j'aime pas. Oh la vache. Putain. Comment veux-tu? Comment veux-tu, en vrai? Ah, ah, ah. Attends. Attends, 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 attends. Ça les remet en haut, donc ça c'est le bon point. Parce que je peux faire ça au pire, mais... Là on est bien. Attendez, j'avance tout doucement. Ah, j'étais... Allez, j'y suis. Ah, oh, c'est une vanne. J'y étais. Attendez, ça va les replacer en haut. Oh, oh, oh. Oh putain. Je l'avais. C'est bon, je l'ai. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sans deck. Ce fut laborieux, n'empêche. Bon, toujours est-il que... On est good. On est good, on est good. Et du coup, on a... c'est notre deuxième, je crois. Ou notre troisième. Je ne sais plus, tiens. Bonne question. Je ne sais plus, je ne sais plus. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Et ça nous en fait un de plus. Et c'est notre troisième. Ah bah, on va peut-être pouvoir augmenter très bientôt. Mon devoir est désormais accompli puisque la DSI a te protéger dans ta quête. C'est parfait. On va peut-être pouvoir augmenter ça très bientôt en vrai de vrai. Hein. Je pense. Je pense. Parce qu'on est pas mal là. On va en avoir plus qu'un. Et puis j'en ai vu plein que je vais pouvoir faire. Donc on va s'en faire plein. On va s'en faire plein. C'est déjà notre 19ème. Plus que 101. Il y en a 120. En vrai, ça, sans trop les chercher, ben on avance finalement sur ces sanctuaires. Oui. Oui. Je trouve. Bref. Toujours est-il que... Non mais... Comment je fais ça? Sans déconner. Comment? Alors j'imagine que si je m'accroupis genre... Discretos comme ça... Je mets une tenue de discrétion, etc. Je vous crois sur parole qu'il y a moyen. Mais à mon avis, on va s'amuser. À mon avis, on va galérer. Comment ça, elle veut pas? Calme-toi. Tu vas me faire le plaisir de te calmer, Zelfriano, et d'avancer. Ah, calme-toi. On va le caresser en permanence comme ça. Il va en avoir marre. Regardez, ça marche. Hein, ça marche. C'est pratique. On va avancer un petit peu. Oh. Mon dieu. Bon, toujours est-il que voilà, on est là. Donc ce qu'on va faire les amis, je pense, avec l'ellipse, je sais pas combien de temps d'épisode on sera. Je ne sais pas. Toujours est-il que là notre objectif en début d'épisode prochain, c'est d'arriver à grimper en haut de cette tour. Voilà, je vous le dis. On a un pied-à-terre avec le dans cette zone avec qui n'est pas la zone d'ailleurs, je vous rappelle hein. Nous on va là de base. Mais là on va d'abord aller à Kala. On a un pied-à-terre, on va dire, dans cette zone grâce au sanctuaire et au relais qui est juste à côté. Donc la prochaine fois, on essaie de se faire ça. On va s'amuser. Quelque chose m'a vu. Bonjour. Pauvre renard qui avait rien demandé. Le renard n'avait rien demandé. C'est pas grave. Oh. Oh putain. 27. Ah oui, c'est... Tu déconnes pas toi quand t'en donnes. Hop, je prends. Heureusement que je l'ai tapé parce que sinon il m'aurait peut-être fait très mal. Hein. Et donc je peux prendre aussi... Voilà, c'est en photo, on va le prendre. Voilà.
Et du coup, on va acheter un truc pour Ava. On va acheter. Non, mais c'est ça, c'est le trident des glaces qu'il faut pas que je perde. Donc, ça, je peux. La lance Zora, je peux. Mais non. C'est ça que je voulais faire. Lanzora, tu jettes et tu me prends. Voilà ça. Bon, donc ouais, comme je vous disais, on s'arrête là pour aujourd'hui. Prochaine fois, notre objectif, c'est de monter en haut de cette tour et ensuite de continuer à se diriger vers Akalam. On fera peut-être aussi les sanctuaires qu'il y a autour et tout. Donc ça va être très intéressant. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser et à partir du moment aussi où j'aurai dévoilé la zone, ce sera beaucoup plus facile pour moi de me projeter sur ce qu'on fait de la zone. Est-ce qu'on y va maintenant, pas maintenant, etc. Et c'est vrai que je devrais mettre des mettre des marqueurs du genre. Bon, peu importe, du genre ça, enfin, ou un coffre, non pas un coffre, mais je devrais me mettre des marqueurs pour me dire, il y a des trucs que t'as loupé dans le coin. Comme là, j'avais mis un petit coffre par exemple, ça pourrait être pratique, donc on essaiera de faire ça si éventuellement on les fait pas tous. Et le volcan est juste magnifique. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment et sincèrement qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous les amis pour péter les 10 000 likes sur cet épisode, vous le faites à chaque fois, c'est juste incroyable, le rythme ne faiblit pas, malgré qu'on est bientôt aux épisodes 30. J'ai jamais eu un let's play comme ça, donc encore une fois, un grand merci du fond du cœur pour cette aventure de dingue. Et on se dit à très vite, et n'oubliez pas le petit like sur l'épisode 1 si vous ne l'avez pas fait. On se rapproche, on va bientôt passer les 110 000 likes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est ouf. Plus que un peu plus de 5 000 likes avant le grand record absolu de la chaîne, j'ai hâte. Merci vraiment pour toute cette aventure, et on se dit à demain évidemment pour un nouvel épisode. Vos astuces, je suis toujours preneur, je vous fais plein de bisous, c'était Sif, bye tout le monde.